Pourquoi j'ai de la tension dans mon câble, moi? Je devrais pas l'avoir. Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai une tension. Comment ça, commande? Bon, attendez, faut que je m'en mette dans le Banks. Bon, je vous cacherai pas que je suis assommé par la chaleur. Hein. Donc, si je vous semble pas distant, mais disons mou, zombie, on va dire, c'est malheureusement un pas pour moi. Là, j'ai anormalement 27 chez moi ce matin, alors que j'aère comme un maboule. Mais il fait lourd, il fait lourd. Je suis même pas me demander si ce week-end il n'y a pas un orage qui va péter qui n'était pas prévu, mais bref. Merde, je peux pas bouger. C'est horrible. C'est horrible et c'est efficace. Oh, ce bel homme aux torches nues, oh. Chine à Poltenewek. Ah, mais oui, je m'étais barré, souvenez-vous. Je m'étais barré d'une propriété luxueuse en hauteur, là. C'était vertigineux. J'avais des mercenaires à mes trousses. Et d'ailleurs, c'était intéressant de fouiller le... Quand je vais y aller... ce bazar sur le quai là. En espérant que j'y vois quelque chose. Ah bah c'est bien, j'ai refait le plein de plein de trucs. Alors avec un peu de chance, on va être invité à aller sur la deuxième carte en fait du jeu, la deuxième partie. Mais c'est pas sûr. Alors j'ai essayé de trouver mes fichiers de sauvegarde de Far Cry 2 parce que j'en ai beaucoup. Et j'ai localisé différents trucs mais pas les sauvegardes. C'est pas grave. Oh là là là. Ouais, accoster serait raisonnable. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, comment je fais pour quitter? Ah oui, c'est là. Bon, ben on va faire de la marche à pied. On va faire de la marche à pied.
Et poke un peu. Si je fais tout sans moyen de locomotion, il y en a pour une petite trotte. Mais bon, l'atmosphère est sympa, le paysage aussi. Je ne désespère pas d'ailleurs de trouver un peu de diamant. Faisons chemin. Bonjour cousin Rio, j'espère que tu vas bien. Je suis un peu mou, hein. La chaleur m'aide vraiment pas. Je préviens tout de suite, mais je suis bon. Attends, je suis pas sûr d'avoir toutes mes trousses à pharmacie, moi. Ça va, donc c'est cool, c'est bien. Ah, j'avais déjà pas toutes les mines. Les monnaies chiens. Mais à chaque fois je sauvegarde. Ah oui, j'avais pas tout. Bon bah j'ai bien fait. Bon réflexe. Bon réflexe. Ah, j'ai déverrouillé les postes de garde, alors autant que j'en profite, ce serait débile que je ferme les yeux dessus. Waouh, ça me fait deux bras de rivière à traverser quand même. Ou alors je m'acharne sur les cabanes de pêcheurs et je reprends la route avec une bagnole. C'est peut-être le bon plan. Oula. Snipe. Ah, pardon. Wesh. Ah, ils ont une petite citadine. Ça va le faire. Génial, je suis de la merde. Je suis là. Quoi ? Mon arme qui m'a trahi. Alors que c'est une arme qui a été achetée, c'est scandaleux. Oh bien, la manière dont il a détalé hors de la baraque. J'ai bien aimé. Ça faisait vachement réaliste.
Attendez, excusez-moi, je vais devoir me moucher. Me revoilà. Oui, l'arme est magnifique. Ouais, non, mais je vais être obligé de bouger mes fesses. Même pas me demander si je suis déjà venu ici. Bah, il est où, studio? Bah! Ah, dommage. Dommage, dommage. Je crois que j'ai sauvegardé juste avant mon assaut, je me trompe? Je ne me trompe pas. Bien joué, l'autre s'est barré, je sais pas où. Magnifique. Ah si, ça a tiré le truc. Mais mon arme a pété en même temps. Bon bah au moins j'ai un tir valable. Oh non, ça a pas payé. Ah si. Ah, c'était la caisse de munitions. Merde, dommage. Je sais pas si je l'aurais d'ici. Ce serait la classe. Hein. Franchement, ce serait la classe de l'avoir d'ici. Oh, pas mal. Ah, je l'ai eu. Bonjour, Torota. Je suis un peu assommé par la chaleur, mais sinon, ça va, merci. J'espère que t'es plus frais que moi. Je l'ai eu. Ah, il m'a rejoint. Merde. Je crois que je l'ai eu. Ah bah c'est bien, je suis livré d'un véhicule, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah là je vais sauvegarder. J'ai perdu beaucoup de mun, mais j'ai réussi mon assaut. Ouais, il commence à faire chaud. Ça va bien, c'est cool.
Et on a des choses à visiter ici. Ça fait plaisir. Bernard Kouchner est passé par ici. Nous avons des sacs de riz. Hein? Bonjour Christella. Aïe aïe aïe. Waouh, deux navires à disposition. J'ai deux embarcations. J'espère attraper quoi avec cette cage? Je m'interroge. Carton foot. Wouh! Oh, j'ai pété le carton. C'est pas piégé, non, c'est une vraie dalle en béton. Il y a du monde là-dedans. Wouh! Ah, mais c'est une planque. Oh, il y avait un prisonnier. Ou pas? Il y aurait pu y avoir un prisonnier. Mais il n'y en a pas. Ah, un poisson pas frais. Eh bien. Ouais, ça va bien, c'est cool. Je me trompe d'action. Oh non, ça c'est une carcasse. Pas de diamant? Non, ça clignote pas. Pas de diamant. Je sais plus si j'ai fait la baraque là. J'ai la baraque là. Ah, c'est le garage. Ah! J'avais pas vu qu'il y avait un mec. M'a fait peur. C'est la baraque là, c'est la baraque là. Oh. Ah, je récupère une grenade. Ah oui, c'est comme ça que je fais pour me soigner. Et la trousse à pharmacie, elle était... Je sais déjà plus. J'ai pas l'air idiot. Attends, la trousse... Ah oui, elle était là. Merci. Au moins, je suis au taquet niveau santé. Bon, il faut que je me dise que mon 9 mm est pas fiable puisque je l'ai pris à l'ennemi. Allez, c'est parti pour la route. On est d'accord que j'ai dévoré cette planque. On est d'accord. Par contre, je vais avoir du grabuge en face. J'ai du grabuge. J'ai du grabuge. Aïe. Il
vont me tuer. Ah, c'était sûr. Ils étaient au moins 3 à me saucer, donc j'étais mal barré. Au moins, j'ai le mérite d'avoir bien lu ma carte. Bah, je vais laisser la Jeep ici. Elle me servira d'appui en munitions illimitées si j'ai besoin d'une solution de repli. Oh, magnifique, j'ai une caisse de munitions. Oh, puis une trousse de soins, c'est beau. C'est le bon endroit. Ouais, ils sont déjà là, hein. Oh, si je peux les surplomber là avec la formation rocheuse, je vais les mettre en panique, les Mickey. Laisse tomber. Non, elle est un peu trop haute la formation rocheuse. À mon avis, je l'escalade pas. Faut arrêter la déconnade. Je sais pas si je peux lorgner ce bord. Hein, on va vérifier. Mais vérifie, vérifie. C'est ton droit le plus absolu! On dirait que la sauce passe pas très bien. Bien joué. Je peux pas bouger. Ça va aller. Où est le tout bim? Vite. Oh, superbe. Oh, magnifique strike. Oh, la vache. Ne me dis pas qu'il y a encore du monde après ça. Ouah, j'ai visé dans le mille. Ah, c'est magnifique! C'est une production Michael Bay. Wow! Wow! Oh, la violence! Eh ben, dis donc. Bon, bah... Tranquille. Il reste plus que la chaise au milieu, c'est point de contrôle. Ridicule. Ridicule. Alors, je suis pas très loin de mon point de rendez-vous, moi. Pas très loin. Là aussi, je pense que j'ai droit à un large comité d'accueil. Donc je vais pas faire le mariole. Alors, évaluons les forces en présence. Alors, munitions, groupe électrogène, ok. Oh, là, il y a de l'explosif. Oh, merci pour les clips. Merci, merci. Étrange. Le mercenaire qui m'a donné rendez-vous aurait fait le ménage. C'est pas un piège. Attends, voir. Attends, comment je peux... Ouais, l'Ender. Je le fais pas assez souvent, hein. C'est le reproche que je me fais. C'est de localiser les points importants. Merde, c'était vert. Ah, j'avais repéré un truc. Véhicule, ouais. C'est le véhicule que j'ai repéré. La marque du pneu. Je rigole, mais c'est la pile de pneus qui pourrait m'être salutaire et parer quelques balles si je devais être visé depuis leur position. Bon, apparemment, il n'y a rien d'autre de plus. Mmh.
Merde, la pluie arrive. La pluie arrive. Une bonne averse. Pareil, je vais laisser la Jeep à l'arrière en appui. Personne au poste de garde. C'est en face mon rendez-vous. Qu'est-ce que je vois? Ah oui, les munitions, oui, c'est vrai. Moi, je crois que je peux en reprendre un peu, non? Je peux en reprendre un peu, on va pas s'en priver. C'est offert par la maison. Oh. Ouais. Il y a plein de matos et il n'y a personne. C'est vraiment étrange. Personne dans l'armoire. Bizarre. L'atmosphère n'est pas... rassurante. Pas de diamant non plus? Non, pas de diamant. Ouais. Dans la baraque, je présume. Petit véhicule. Au calme. Personne à côté? Personne. Bon, allons voir le rendez-vous. C'est une zone pacifiée? Merci d'être venu. Je m'excuse pour les conditions déplorables. C'est le seul endroit sûr que je connaisse. J'ai appris que Gakumba vous a envoyé au chute Boka pour tuer Prosper Kwasi. Oui. C'est donc vrai. L'UFLL a lancé une grande offensive dans la région nord et en fait, c'est vous leur première cible. Vous avez de la chance d'être encore en vie. Ils vous recherchent, vous et les autres étrangers. On vous considère comme des espions. Je ne sais pas si vous avez eu vent des mauvaises nouvelles, les soldats se dirigent vers chez Mike. Ils veulent coller tous vos amis contre un mur et les abattre un par un. C'est risqué. Même grouper les forces armées qui attaquent les mercenaires, je me souvenais pas de cet épisode. Ça va forcément mal se finir avec des pertes des deux côtés. Ils rassemblent les villageois aussi. En ce moment, ils sont en train de rappeler les civils à Pala. Ils vont atteindre l'église du père Malia sous peu. Une fois là-bas, ils tueront tout le monde. Vous pouvez en être sûr. Vous pouvez les aider, mais pas tous. Vous n'avez pas assez de temps. Vous pouvez aller chez Mike ou à l'église. C'est tout ce que vous pouvez choisir. Je dois y aller. J'attends une voiture. Je me suis arrangé pour qu'on m'emmène à Mossaté, c'est là-haut. Je devrais y être en sécurité, au moins pour un moment. Bah, je vais faire le choix d'aller à l'église protéger les civils, puisque les mercenaires se défendent d'eux-mêmes. J'ai pas besoin de rester en appui des mercenaires. Ce serait surprenant. Prenez garde, ils vous recherchent. Oui, oui, ils me recherchent. Eh, sympa le matos. Il en a des choses, monsieur. Mais c'est bizarre qu'il soit pas sous bonne garde. Ouais, non, je vais défendre les civils. Je vais peut-être essayer de jouer les pacifiques et de prendre une voiture non armée. J'ai des oiseaux qui font un jeu d'ombre devant ma fenêtre.
Je laisse la bagnole là, c'est plus prudent. Où est l'église? Elle est là. Oh, il est verrouillé. Bizarre qu'il y ait un verrou à l'extérieur. Généralement, on met le verrou à l'intérieur. Attends, qui est avec des civils, je présume. Vous n'êtes pas malade aujourd'hui, c'est une bonne chose. Oui. Il faut que tout le monde aille bien, c'est un jour très important. Oui. Nous devons partir, restez derrière. C'est nous qui le cherchent, pas vous. S'il vous plaît, après notre départ, déplacez le meuble devant l'accès, ils ne pourront pas nous suivre. D'accord. Ça me va. Ainsi soit-il. C'est bien, tout le monde part. Non, attendez, je vous promets que ce n'est pas très lourd. Quelqu'un de votre carrure peut le déplacer facilement, je vous assure. Oui, oui. Bon, bah, prends la fuite, mon garçon. Pourquoi j'ai un vague souvenir que l'église est prise d'assaut? Je crois que les volets vont s'ouvrir et que les mercenaires vont me saucer. Un truc comme ça. Merci, merci, merci beaucoup. C'est ça. C'est ça. Je me souvenais de la scène qui était assez traumatisante. Alors pour le coup, avoir un 9 mm... Ah, c'était scripté. Ok. Wow. En espérant que dans la tempête de sable, je trouve une baraque. Mettre à l'abri. Wow. Bon. Donc je me trouve une baraque avec un lit et j'ai gagné le droit de pioncer au moins 12 heures. Le temps que la tempête passe, je me refasse une santé. Oh la vache. Waouh, je ne me souvenais pas du tout de cette phase de jeu. Mais pas du tout. Ça craint. Arrête de bouger. Pensez pas qu'ils seront encore vivants. T'es solide, dis donc. Mais pas assez solide pour arrêter l'UFLL. Tant bien retourner le crâne. Voilà, il y a des nouveaux à la tête. Alors qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Tu le sais très bien. Tout le monde le sait. D'abord, ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent récupérer. Ils vont... C'est une maladie, voilà ce que c'est un cancer, tu vois bien.
ils n'auront jamais assez. Ils amassent jusqu'à ce qu'ils en crèvent. Et quand ils sont morts, quelqu'un d'autre vient pour ramasser. Ce quelqu'un d'autre tombe malade, chaque cellule est infectée. Et plus tu restes longtemps, plus le virus se répand. À la fin, il n'y aura plus rien, plus que la maladie. Donc que faire dans ce genre de situation? Faut mettre les patients en quarantaine. Sinon, tu te retrouves infecté comme les autres. A tourné au pire. C'est l'horreur à Depo Aseco. On doit faire avec. Et mes hommes ne sont d'aucune aide dans ce contexte. Vous avez l'air en forme, pas de blessure, la tête toujours sur les épaules. Vous voulez partir? Nos problèmes. On amènera un camion et on vous le laissera à l'abri. Mais j'ai quelque chose à vous demander. Retournez au nord et abattez Kakumba. Ce sera facile. Il harangue ses troupes debout sur un camion, à découvert. Occupez-vous de ça. Dès que la tempête se calmera, foncez vers Sefapan et retrouvez-nous là-bas. Oh, la dure vie de mercenaire. Préparez un camion de reconnaissance et garez-le à l'ombre. Eh bien, cette narration. Un petit remontant, allez-y. Ouais. Au moment, j'ai pas le choix de mes armes. Il va falloir faire modeste. Bon, visiblement, la tempête s'est calmée. La tempête s'est calmée. Pas mal l'échelle taillée d'un tronc. Ah, ils ont eu la politesse de me laisser un véhicule. Trop aimable. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Oh la vache, même la voie ferrée elle se perd. L'armurerie toute proche. Est-ce que je peux y aller? Ouais, visiblement. Ah, je pensais que ce serait la nouvelle carte, mais c'est pas pour tout de suite. Donc les instructions à l'écriture disent quoi? Exécuter le Hangakumba en plein milieu de son rassemblement de troupes. Détail de mission, la PR se replie au nord sur la direction de Graves. Ce type n'est pas bête. Il veut que je gâche la fête de l'UFL et que j'efface définitivement le sourire sur le visage de Gagumba. Après ça, je retrouverai Graves à Stefanpan au sud. Donc, sous-entendu, la deuxième carte. C'est intéressant. Ibi, allez-y où, sous pieds joints. À distinguer le chemin. Bonjour Devil Olive. Ah, voilà pourquoi je distinguais pas le chemin. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai une armurerie toute proche, moi. Oh, du diamant tout proche. Non. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? D'accord. Oh, 3! Oh, vache!
Ah, je me souvenais que partiellement de la narration. Attends, où est la... Quoi ? Mais j'ai regardé ma carte, monsieur. Je suis choqué. En pleine tête, je crois. Il est mort. Hein. Il est mort. Bah alors. Ce comité d'accueil. Un petit peu de mécanique, ça faisait longtemps. J'espère que tu vas bien, Devil Olive. Voilà, je vous avoue que le temps passant, je reprends un peu des couleurs par rapport au fait d'être assommé par la chaleur. Là, je vais un peu mieux. Pourvu que ça... Voilà, que ça... Ça aille dans le bon sens toute la journée. Et la voie ferrée qui penche. La voie ferrée va me servir. J'aimerais atteindre l'armurerie. Si je peux retrouver mes joujoux habituels, ce sera peut-être mieux que ce que m'a cédé le chacal. Oh, il n'y a plus de voie ferrée. Oh là là ! La tempête de sable a fait des dégâts. J'ai même plus si je suis en droit d'acheter un truc au niveau de mes diamants. Je sais plus où j'en suis. Oh, dans l'ensemble, on va bien. Merci, Devil Olive. Ah, 9 diamants. Oui, j'irai pas loin. J'avais acheté hein, la tenue de camouflage. On est d'accord, elle m'est acquise. Oui, elle m'est acquise. C'est énorme. Niveau furtivité, c'est juste énorme. Ouais, bah, équipement, j'ai quasiment tout l'équipement, c'est très bien. Le reste est à déverrouiller au fur et à mesure de la progression. Amélioration de précision, blablabla. Fiabilité. Précision, fiabilité. Oui, le lance-fusée, j'aimerais qu'il soit fiable, merci. Ce qu'il m'a fait la dernière fois était pas top. Oui, je vais acheter pour de la fiabilité là, parce que j'étais dégoûté. Allez hop. Fiabilité totale. Optimisation du matos. Ah, mes joujoux habituels. Ah bah, je me sens mieux, là. Je me sens mieux. Cool. Je prends la Jeep de qualité. On se fait plaisir. On prend pour un VIP. Alors, lisons la carte. Ah, bah, c'est tout proche. Encore que... Alors, j'ose couper à travers le champ. Ce qui n'est pas toujours à mon avantage. Ah ! Elle jette de la flotte. Voilà !
J'ai ruiné la bagnole. Je ne m'attendais pas à une telle profondeur. Donc je vais y aller à pied. J'ai pas allé à congé. Ah ouais, il aura moins chaud, tu m'étonnes. Oh. Attends, on dirait les restes d'un aéronef. Ce sont les restes d'un aéronef. Pourquoi pas? Oh, je pense pas avoir de comité d'accueil. Oh, il y avait sûrement une mallette à diamants ici, non? Ah, il y en a une. Ça se conjugue au présent. J'ai eu le coup d'œil. Rien dans le cockpit, mais la manette doit être toute proche. Bizarre le temps que traîne. Ah non, c'est une cassette du chacal. Et pourquoi l'Afrique? Les armes peuvent s'écouler n'importe où. Pourquoi ici? Pourquoi chez moi? Partout sur Terre, c'est toujours chez quelqu'un, mon pote. Mais ça n'empêche pas les gens d'aller à la guerre. C'est pas moi qui déclenche les guerres. En tout cas, c'est pas moi qui ai déclenché celle-là. On dirait que ce sont tes compatriotes africains qui veulent s'entretuer. En plus, pourquoi je devrais épargner ton pays? Tu voudrais que j'aille ailleurs? Chez quelqu'un d'autre? Donc tu t'en fous si ça se passe chez les autres? Et si c'était chez vous? Chez moi, c'est partout où il y a la guerre. Sacré chacal. Bonjour, Cruxit. Oui, oh, quelle horreur. Tu n'es pas de lion, ça change les sous-marins. Ouais. Paix à leurs âmes tout de même. Mais, ouais. Enfin, j'ai pas suivi complètement l'affaire du sous-marin qui a implosé, mais je présume que l'erreur est de conception avec le soi-disant hublot qui finalement sert pas à grand-chose, puisque au bout de du grand bleu, on voit plus rien. Oui, repose en paix, ouais. C'est ça. Ah, j'ai réussi à l'abattre de loin, la classe. Ah, il est juste blessé. Intéressant. Il y en a peut-être qui vont venir à son secours, ce qui va me permettre de les abattre. Mais, oui, le coup du grand bleu, on voit plus rien, et d'avoir mis un hublot qui tient qu'à 1,5 km de profondeur et descend à 4 km. Voilà, quoi. Il faut pas s'étonner que ça se brise comme une coquille d'œuf. Mais je sais plus, le patron de l'entreprise faisait partie des victimes ou je sais plus, dans les membres d'équipage. Oui, c'est ça, il chante sous l'océan. Oui, oui, tu confirmes. Oui, bon, bah au moins, j'ai envie de dire, pour lui, il n'y aura plus de procès. Ah là 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 là. Ouais, Yellow Submarine, m'en parle pas. C'est loin, ouais, je pourrais pas les incendier, je suis trop loin. Mon lance-fusée là, j'ai pas. Ah oh oh, j'ai vu du monde. Merde, j'ai loupé. Ah, ils prennent une bagnole, je crois. Non? Oh, je lui ai usé toutes mes balles et je l'aurais pas dégommé. Ah, une bagnole. Ils viennent me voir. Oh, c'est gentil. Oserais-je dire, je suis touché.
Je vous reçois la grenade, les gars, ou ça va? Oh, je suis là, bande de nazes. Ouais, ils arrivent pas à monter sur la colline. Vous êtes où? Oh, c'est pas vrai. Wow. Oh, si seulement je pouvais faire mouche. Marrant, cette musique ne m'est pas familière. Oh, je l'ai touché, je crois. Ouais, je l'ai abattu. Trop la classe. Un appart parisien coûte moins cher pour le coup. Ah oui, 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 oui. Un quart de million la place, oui, pour le... Bah... Enfin, c'est qu'une question de symbolique, mais je trouve que le spécialiste français, là, qui a bien vécu sa vie, hein, il est mort à 77 ans. Mourir proche de l'épave du Titanic alors qu'il en était spécialiste des fonds marins, je trouve que pour la symbolique, c'est plutôt classe. D'une certaine manière, on se comprend. Alors, moi, concernant malheureusement le bâtiment dans le 5e arrondissement de Paris, les bruits de couloir que j'ai eu officiels, parce que je suivais les dépêches sur France TV Info, les bruits de couloir qui circulaient dans l'heure qui a suivi l'explosion, c'est qu'il y aurait une mauvaise révision des colonnes de gaz dans le quartier. Il y avait eu des travaux de réfection, de rénovation de la distribution de gaz dans l'immeuble au printemps dernier. Et il y avait déjà des rumeurs comme quoi ça aurait été mal fait. Mais seule l'enquête nous permettra de récolter des preuves et de pouvoir être affirmatif. Mais ça, on ne le saura que dans plusieurs mois. Je reviens sur les propos d'ailleurs de notre ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérard Darmanin, qui disait vrai. En fait, dans le malheur de l'immeuble parisien, on a eu beaucoup de chance à double titre. D'une, le bâtiment soufflé était loué par une école, ou acheté par une école de mode et design américain, où il y avait, entre guillemets, que le proviseur et trois profs qui préparaient un défilé de mode, et les élèves étaient justement à une sortie extérieure, donc le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Et en plus, Gérard Darmanin avait précisé que tout proche, je crois que c'est l'immeuble qui a pris feu en face, il y avait habituellement des petits, des gamins qui prenaient leur cours de musique. Et comme l'explosion a eu lieu un mercredi après-midi, ils étaient de sortie, enfin ils n'étaient pas là. Donc une chance dans le malheur, il y aurait pu y avoir des jeunes parmi les victimes, mais ça tient presque du miracle. Attends, pourquoi je suis parti dans la direction opposée, moi? Je vous fais la causette et je suis complètement désorienté. Pas de diamant? Pas de diamant. Aucune victime, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce qu'il y a un soupçon de... Il y a une disparition signalée à Paris d'une dame qui a une 50-60 d'années. Et en fait, c'est son neveu qui a donné l'alerte en disant « Mais ma tante, je la retrouve plus. » Évidemment, elle était dans le secteur au moment du drame. Donc, il est potentiellement à craindre qu'elle fasse partie des victimes dans les décombres. Mais les fouilles ont été stoppées momentanément hier soir, puisque les bâtiments annexes ont été fortement fragilisés. Et il faut sécuriser la zone d'un point de vue architectural avant
que les personnes habilitées à remuer les décombres puissent continuer leur boulot. C'est malheureux, mais... C'est ainsi, c'est tout ce que je sais de l'affaire de l'immeuble explosé à Paris. Au. Je vais détendre les jambes, là j'ai mal. Ah, c'est un poste de radio que j'entends. Je me disais, merde, il y a des survivants. Comment c'est le poste de radio? C'est cool, j'ai des... Tu parles d'une porte? Ah. Je suis sûr qu'à la machette, je la bousille. Voilà. Bravo, la porte. Comment ça? Il y a un mec qui agonisait. Ah, c'est les gars que j'ai snipé, peut-être, non? Ah oui, c'est eux. C'est les gars que j'avais snipé. Ibi, ce carnage. Oui, c'est limite, ouais, si je me soulageais pas contre la porte, elle tombait d'elle-même. Ça en prenait effectivement le chemin, je te l'accorde. J'y vais en bagnole. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, bonjour Erika, moi qui voulais avoir de tes nouvelles avec les incendies au Canada. Oh, merci de te manifester à moi, Erika. J'espère que tu vas bien. Et que t'as pas été trop secoué parce qu'il t'arrivait dans ta région. Oui, c'est vrai, merci Erika, c'est vrai, c'est ma fête aujourd'hui. Merci d'y avoir pensé. C'est vrai. C'était pas la radio. Vive le Québec libre. Suis bien, tranquille, ils paniquent pas les gars. J'ai décidé de leur foutre le feu, ils marchent tranquille, comme si de rien n'était. Je suis là. J'aime bien le mec, il s'en fout royalement. Bien tenté. Il me reste 3 balles, faut pas que je fasse le con. Ah, ça bouge là-bas. Oh, il se barre. Ah, lui, il agonise là-bas. Oh, il va se faire bouffer par les flammes, le pauvre. Il va se faire bouffer par les flammes. J'ai besoin d'un docteur, les gars.
Ah, c'est moche. Ah, l'autre, il vient à la rescousse. Trop drôle. Ah, ah, c'est horrible. Je vais tous les abattre. Voilà. Et hop, un autre blessé. Par contre, j'ai plus de balles. Bon, allez. Je vais être abject, je vais les cuire. Oh, oh, quelle horreur. Oh merde, moi avec. Ah, il y a une étincelle devant moi. Bon, bah j'ai perdu mon point de... Oh. Qui c'est qui m'allume? Il y a un petit malin qui arrive à m'allumer. J'ai plus de snipe. Il me reste le lance-fusée. Where's your party? It's your party. Je sais pas où est le mec. Ah bah, ma cible a cramé. Oh, oh, c'est quoi là-bas? Y'a qu'un ennemi, boum. Quel idiot. Il y a un mec là-bas. Je crois. Dommage que j'ai plus de balles. J'aurais pu l'achever d'ici. Encore que ça peut peut-être s'arranger. Ça va peut-être s'arranger. Ouais. Ah, ça a bien rôti. Bien rôti. Non, pas de diamant. Ah, peut-être gagner un véhicule, moi. D'accord, c'est un mec là-bas. Oh merde! Il y en a un qui est tout proche. Wow, 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 wow. Ah bah il est là, cadeau. Ah bah voilà, ça flambe. Encore? Il est où le mec? Mais le gars il va le tuer. Ah ils sont là-bas. D'accord. Effectivement là je comprends mieux. Ah, il y a encore du monde, hein. Il y a encore du monde. Oh, c'est nombreux. Ah, je suis cerné, bordel. Je suis cerné. C'est très très chaud. Là, je trouve que je suis un peu trop coté. Tout le monde essaie de mettre le grimpin dessus, ça devient invivable. Ah, c'est pas possible, ils ont mis ma tête à 50 diamants. Hop, 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 hop. Alors... Merde. Ah ouais, y a trop de monde.
Fomire, ghetto. Oh la vache. Qui c'est qui m'allume? Ah bon. Alors là, compliqué. Je peux m'en sortir, mais ça va être compliqué. Mon regret, c'est de ne plus avoir de munitions de snipe. J'aurais le snipe, je serais en position de force. Mais là, je peux pas tenir un siège. C'est pas possible. Je suis obligé de jouer avec le relief pour me sauver mes fesses. Oh la vache. Je sais pas jusqu'à quel point je peux les contourner. Ah, peut-être récupérer des munitions. Non. Dommage. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Mais bon, bref. Ah bah. Eh oh. Pourquoi tu le payes maintenant? Pas mal comme S'il n'y a personne en amont, c'est une bonne chose. Alors, oh magnifique, j'ai retrouvé mes munitions de snipe. Bon bah c'est bon, la messe est dite. Alors la fumée fait suer. Il est dans mon dos, lui. Attends, vas-y voir que je prends tout ça. Ah, le blast, salopard. Bien joué, Rambo. Bien joué. Il y a du monde là-bas. M'en fous, j'ai plein de munitions. On n'en parle plus. Lâche. Merci pour la livraison. Ah, il agonise l'autre. Si personne vient l'aider, c'est que il était le dernier. Allez, je vais être sympa. Je vais l'achever. Balle dans la tête, terminé. La munition, didou 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 don. Elle est bien hein, cette localisation. Oh les téléphones qui servent de télécommande. Oh, je m'amuse à faire mon mécano. Non, là, je pense que j'ai gagné la bataille. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ah non, c'est pas pour moi, ça. Il manque des explosifs, hein, des grenades et des cocktails Molotov. Rien d'intéressant de Mickey. Une tristesse.
et pas de diamants, on avait dit. Pas de diamants. Eh ben, j'ai cramé pas mal de... de brousse. Ah. Allez, je vais sauver un véhicule, tant qu'à faire. Toujours ça de prix. Je vais sauver une véhicule. Alors, je sais plus si je suis libre de faire des allers-retours entre la carte nord et la carte sud. Parce que je pense qu'il y a moyen d'écumer les lieux pour diamants. Rien ne m'interdit de faire le test. Je vais prendre le véhicule réparé, je vais voir si je peux me promener à ma guise. On va vérifier ça. C'est tranquille pour le moment. Ah pardon, j'ai un appareil qui vient de s'allumer pour me dire que la recharge était pleine. Faut que je le débranche. Hop. Pic. Pardon. Si je passe par là-bas. Est-ce qu'on cherche des poules ou quoi? Est-ce que tout le monde s'est barré? Ah, on cherche des poules. On cherche des poules et il y a... Oh, magnifique, j'étais abattu, mais alors... Comme un malpropre. Mais pas de diamants. Non, mais je pense qu'on va aller sur l'autre carte. Au moins, vous avez du scénario aujourd'hui. Vous avez du scénario. Ça bouge méchamment dans l'histoire. Alors, je vais faire un petit détour. Je sais pas si ça me sera salutaire ou pas. Merde, je sais plus conduire. J'ai renversé mon véhicule. Oh, 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 je roule deux fois dessus, quelle horreur. Enfin, je le renverse deux fois. Oh, je me suis fourvoyé là où il fallait pas. Ouais, bah je continue à pied. Eh oh, Calmos. Non, pas Calmos. Bidoum, crotoum, chiotoum, bodiloum. Donc, je prenais un mauvais chemin. Ah, ouais, c'est... C'est pas cool. À lire la carte, c'est pas cool.
bien sûr. On dit ça, on dit ça. Merde. Ça va péter. Faire boum, il va crever. Oh merde, il est encore là. Ok, tout va bien. Il est encore en vie ou il est mort? Non, il est mort. Ah non, j'allais dire bug graphique, mais non, 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 c'est bien un câble tendu. À partir d'un pneu, c'est assez particulier, mais encore que j'ai un doute. Mais bon, bref. On va dire que c'est un bug qui a de la classe. Qu'est-ce qui est pas tombé là? Ouais. Bon, bah la suite à pied, hein, puisque tout a explosé. Bon, pas de résistance en face quand même. L'inverse me surprendrait. Tu me diras, il y a des flammes. Qu'est-ce qui flambe? C'est la guerre civile. Ah bah je reviens là où j'ai fait mon cardage moi. Normalement il n'y a plus personne. Pas intérêt parce qu'il y a un mec qui s'amuse à passer via un aéronef dans la région, parce que sinon il se fait mais alors abattre à la première occasion. Bon, je désespère pas de trouver un véhicule. Qui me tend les bras. Le problème, c'est qu'à mon avis, il sera pas offert celui-là. J'en doute. Personne ? Vous êtes sérieux? Bon choix. Bonjour Nayonet. Belle voiture de course que t'as dégotée là.
personne dans la station service. Mais si, le mec, il est là. Il m'a même pas vu, cet abruti. Mais venez vérifier, messieurs, venez vérifier. Il y a de la vie là. Il y a de la vie, il y a de l'amour. Il faut aller aider. Allez, mec, allons-y. Attention. Ah ouais, prends un arbre, on cherche. Nous sommes quelqu'un. J'en peux plus de ça. Ah, ils m'ont eu. Bien essayé, mais... Je partais pessimiste. C'est culotté de se la jouer à la Rambo, surtout que le véhicule est plutôt mal placé. On va vérifier. C'est quoi ça ? Quelque chose. Ouais, faut que je change de flingue. C'est bien, le mec, il est malin, il m'a contourné. Oh merde, je l'ai loupé. Oh, le mec, je vais l'avoir à la machette. Coucou. Oui, tant qu'à faire. Le mec est encore en vie. Alors, il est par ici ou pas? Thank you.
Non, visiblement, il n'y a plus personne. Ah oui, c'est la guerre civile. Tu m'étonnes qu'ils vont me se barrer. C'est le bordel. C'est le bazar, c'est le boxion, c'est le bordel. Allez. J'espère ne pas me planter et prendre la bonne route. T'es dans le désert depuis trop longtemps. Tu te demandes à quoi ça sert, les yeux bandés. Pour la route. Nous rejoignons la route. Merde, c'est un comité d'accueil. Oh, vous êtes chiant, les gars. Oh là 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 là. Oui, oui, elles sont magnifiques, les dunes. Bah, normalement, il faut faire gaffe avec ces dunes vraiment de sable pur. Parce que c'est une limite bien pensée de la carte. C'est-à-dire que si tu vas trop loin, tu meurs de soif. Tu t'évanouis et tu meurs comme un caca. C'est une manière intelligente de limiter la zone de jeu. Merde ! Oh non ! Pour la livraison de véhicules, mais va cramer, toi. Oh là 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 là. Bon, bah loupé la livraison. Parce que là, tout va exploser. Tant pis, j'irai à pied. Sauf si je répare le véhicule avant qu'il prenne feu. Quoi? Pourquoi je peux pas? Oh mais non. Vite, 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 barre-toi. Barre-toi, 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 ça va exploser. Marche arrière, marche arrière, marche arrière. Voilà. Ça va péter. Wouh! Bon, bah, je m'en sors bien. Ça te rappelle hier, cette cascade. Oui, mais vous étiez en camion. Vous êtes des fous. Wouh! Bon, j'ai réussi à retourner la situation à mon avantage. Donc, se barrer à l'autre bout de l'Afrique. Enfin, j'exagère. C'est la contrée voisine du pays. Il y a la baraque où m'accueille chacal. Oserais-je dire un havre de paix? Non, pas vraiment. Bon, je crois qu'il y en a un pour un petit bout de route. Non. Oh, on distingue même plus le rail tellement qu'il y a de sable. Poste de contrôle. Poste de contrôle, c'est la douane. Non, ce serait le pays d'à côté. Sérieux? Y'a personne? Y'a personne. Bon, bah, nouvelle carte. Donc plein de choses à faire, des postes à déverrouiller, des diamants, tout ce que vous voulez. Souvenir traumatique pour Nayonet. Oh la vache. Oh, je me souvenais pas qu'il y avait un point d'eau aussi important. Oh la vache, vous avez vu le lac? Ce qui veut dire qu'il va y avoir des approches en navire, en bateau.
Oh là 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 là, quel souvenir. Aïe 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 aïe, ce bordel. Ah, j'ai bien 5 points de... de bus. J'ai une armurerie devant moi. Ouais. Il faut que j'aille dans la ville de Safapan. Moi, petit, pas si petit que ça. Oh, un petit buggy des... un petit buggy des sables. On pourrait croire qu'il y a un sous-sol avec cette disposition de... Non, j'ai pas le droit de la remonter comme ça. Vraiment, on a l'impression qu'il y a un sous-sol. Que le sable est tombé dans la cave. Bon, on commence déjà par des cabrioles. Merci. 2 diamants. 73 des 221 mallettes. Autant dire que si c'est moitié-moitié, j'en ai loupé la moitié là-bas. Mais bon, je suis en droit de revenir, visiblement, mais... Mais je pense qu'un de ces jours, je vous ferai une séance Far Cry 2 spéciale diamant. Pendant 3-4 heures, on ira à la recherche des diamants qui me manquent. Ce qui fait qu'on va parcourir de grandes zones. Ce sera sympa. Bon, j'avance prudemment parce que je suis pas le bienvenu et je me méfie de comité d'accueil. Merde, comité d'accueil. Il est où le gars? Ah, il est là. Ouais. Pas très mal. Hein. Ah, mais il est pas complètement mort. Ouais, ouais, ouais. Essaye de m'abattre, mon gars. Ah, il tombe sur lui-même, malin. Est-ce que je te laisse mourir comme un caca au soleil agonisé ou est-ce que je t'achève? Allez, j'ai bon cœur. Par contre, toi, t'as pas bon matos. Bon, bah, j'ai gagné une séance de mécanique. Une petite séance de mécanique! Eh ben. Tibidi-bidi-bi. Ouais, une grenade. Tibidi-bidi-bi. Alors je salue Askar Kapak qui vraiment va avoir du boulot à faire l'équipe. Parce que vous amuser à transformer le simulateur de camion en jeu de quilles, c'était... Ouh, c'était intense hier. C'est bien, vous avez bien rigolé, c'était sympa de faire le plein de bonne humeur. C'était bien. Armurif, droit devant.
paysage est magnifique. Armurerie droit devant. Oh la vache. Oh merde, oh merde. Oui, je sais, je vais mourir. Et vous, vous allez cuire. Voilà, cuit bien, j'ai plus d'essence à bosser. Pas chiant du tout. Oh merde, ça a pété. Ah, ah, je peux peut-être récupérer ce véhicule avant qu'il flambe. Ah bah non, trop tard. Dommage. Bon, bah j'ai plus de véhicule à cause de ces nigauds. Oh, ah, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. J'ai cru un instant qu'il y avait quelqu'un. Ah bah oui, ça c'est bien ça. C'est pas avec mes 3 diamants que je vais acheter un truc, que je sache. 2 diamants, c'est même pire. Ah, j'ai dit 3, j'en ai que 2. Non, bah oublions. Oublions, c'est la honte. Je suis fauché. Bon. Allez, je repasse en mode Rambo. Ce serait bien que je fasse le plein. Bidi 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 bidi. Cette grosse qui pilotée par cette foule. Ah, vous étiez 7, c'est bien. Si bien, si bien. Ah, j'ai déjà un poste de garde à déverrouiller. Eh ben, allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Je les abats, je les flambe, je fais quoi? Ah! S'il veut bien se montrer l'autre. Non, je crois que je vais les flamber. Je vais les flamber, c'est le plan B. Voilà, dans les flammes, je verrai rien pour viser. Petit coin de snipe, ce sera apprécié. Ah bah, rien que l'œil à côté suffit, je crois. Oula, il se passe des choses. Il y a un mec qui prend la fuite. On ne le félicite pas. J'espère que ça va bien cuire. Le véhicule est là-bas. Ah, c'est une Jeep de qualité hein, qui passe. C'est une Jeep de qualité. Je sais pas si je vais être menacé. Pas clair. Non. Prochaine fois, je mets des dégâts entre joueurs, je sature la circulation. Ah, c'est vrai que c'est un scénario qui peut être plaisant à jouer. Ah si, le mec il est là. Ah oui, alors là t'as pas pris le bon recul. Mais... Ah, il y a encore du monde. Merde, on y va. Véhicule. Ah ouais. Oh mais il y a plus de monde que je ne pensais.
ça bouge tellement avec ce merdier que je sais même plus qui est vivant, qui l'est pas. Non, c'est un animal là-bas. Qui n'est point un homme. Je sais pas si j'ai emporté la bataille, mais j'ai l'avantage. Lui, il est bel et bien mort. Ils sont bel et bien morts. Tiens. Oh, il se passe quelque chose. Bonjour, toujours fidèle, car tu es une personne méritante. Oh. Au. Merci, trop d'honneur pour moi. Oh mon dieu, j'avais pas vu que le gars était survivant. Ben, il est en face de moi, le gars, je l'ai pas vu. Attends, c'est bien les animaux ? Ah oui, merci Fulfan. Merci pour ton renouvellement d'abonnement. Je regarde même plus le compteur, ça fait peur. Le nombre de mois fidélité, ça devient vertigineux. Ah, je peux réparer le véhicule. Non, non, il n'y a plus d'humains. J'ai gagné. Je peux revendiquer le... Ah. Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant. Évidemment. Merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci, merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Alors, j'ai pas localisé la... Bien joué de la part du gars qui m'a liquidé. Comme quoi, je suis mauvais observateur. Oui, ça va être mortel pour le compte en banque dans le jeu, ouais. Sûr que si vous faites de la casse à poison. Eh là là. Oula, le chargement est... Je crois que c'est la première fois que j'ai un chargement aussi long. Joyeusement abattu. J'essaie de passer sur un rocher. Ouais, si je peux. Oh, qu'est-ce qui sonne? Ah, excusez-moi, j'ai un appel.
Thank you.
Alors, pardon, me voilà, voilà, coucou de téléphone charmant d'ailleurs de la famille, qui va un peu perturber ma journée, mais en fait, je risque de m'absenter un petit peu ce soir quand je ferai les bébés avec vous vers 18h. Parce que je vais avoir une visite spontanée mais adorable d'un membre de ma famille. Alors, pardon de vous faire poireauter le temps de mon coup de fil qui était absolument pas prévu. Bonjour aux arrivants, bonjour Dragon Sky, bonjour Aerostar, vous êtes arrivé au moment où je décrochais, pardon, mon coup de fil a duré 10 minutes. Bonjour aux arrivants, voilà, j'espère que tout le monde va bien. On va reprendre l'ambiance africaine immédiatement, à bon rythme, sachant que j'aimerais revendiquer ce poste de contrôle. Mais normalement, il faut que je mette la main sur la boîte à munitions pour pouvoir revendiquer le point de contrôle. Mais je crois qu'elle a flambé tout à l'heure. Je crois qu'elle a... Ah merde, il est vivant lui. Ah! Le chaligot, je vais t'achever à la machette. Mais... Yalosh! Attends, normalement c'est la boîte à munitions qui fait foi. Pour revendiquer le point de contrôle. D'ailleurs, je vais réparer immédiatement la Jeep qui va me resservir, forcément, à me barrer. Je vais peut-être pas faire que du Far Cry là, je vais peut-être pas tarder à m'arrêter et vous faire autre chose. Déjà un Spell Lucky ou je sais pas quoi. Ou peut-être le Stock Car avec le Flat Out de je sais pas, j'ai pas encore fait mon choix. Attendez. Même si j'ai fait flamber la caisse de munitions, je devrais pouvoir la localiser, non? Ah, d'aussi près, j'ai l'air ridicule avec la lunette. Ça va pas me servir. C'est bien, on voit les destinations. Non, non, c'est ridicule, mon truc. Oh merde alors. Et je peux pas revendiquer le... Ah si, merci, c'était là. Ok. Me voilà rassuré. Bon, bah je sauvegarde. Je vais aller à mon point de rendez-vous. Enfin, si je peux. Alors, c'est un guet-apens. Je suis reçu avec les honneurs. Ce serait une zone de cessez-le-feu déclarée? Sérieux? Une assurance, mais bien sûr. Mais bien sûr, attends, je vais me garer là. Je sais plus ce que je lis. Bon, je vais garder la machette à la main. Au corps à corps, je serai moins menaçant. Island, les hautes terres. Il y a une bouteille en particulier que j'aimerais vous montrer. Mais je l'ai pas retrouvée. Mais ça viendra. C'est le feu, me rend dingue. Un jour, on se tire dessus. Le lendemain, on bouge plus, on se regarde comme des poissons dans un bocal. Ha! Ah, c'est juste trop bizarre. C'est voilà, pas faux. Tu me dis où est-ce que tu trouves ta canne.
Eh, hey, il y a des belles constructions dans le dur là. Mon rendez-vous est dans cette zone interdite? Non. Sérieux? Tu recules, c'est ça, mon flash. Ah ouais. En fait, le rectangle rouge est une zone interdite. J'ai pas le droit d'y mettre les pieds. C'est pour ça qu'ils sont tous retournés vers moi et qu'ils m'ont abattu. Alors que j'étais pas menaçant. J'étais pas certain de bien lire la carte. La zone est interdite, sachant qu'il n'y a pas de diamant. C'est troublant. Ils auraient quelque chose à défendre, je comprendrais. Mais... ou alors il y a l'accès à un bunker en sous-sol, tout proche, et... ce sont des quartiers privés du... c'est bizarre. Bon, je voudrais pas dire, mais j'ai rendez-vous dans la baraque. À la place, je reviendrai pas, mon pote. Pas de meuf ? Salut. Vous avez de sacrées munitions, les gars. Ah, il y a du diamant. J'ai vu la... j'ai... quelle est la brutie qui met un briquet à côté des bidons ? Enfin, bon, bref. Eh bien. Bien. Très bien. On confine ma dose. J'étais prêt. J'ai juste besoin de quelqu'un pour la traverser. Mmh. 2 heures, pas plus. Non, pas lui, il est trop bavard. J'ai besoin de quelqu'un d'un peu plus sensé. De qui il parle? Mmh. 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 Joli art africain. Mmh. Me permet de visiter. Peut-être que ce sera pour acheter un jour. Bleh. Eh, pas mal la baraque. Sympa la bibliothèque. Je me suis réveillé ce matin avec des centaines de fourmis dans le pied. Bibi. Pour me bouffer l'arrière-train. L'arrière-train ? Mon cul, si tu préfères. Oh. Bah. Je l'ai fait couverte de morsure et pars pour une patrouille de Divorne. Bon courage. C'est qu'ils sont grossiers, ces messieurs. Je viens de trouver une douzaine de paquets de coke dans ton casier. Tu veux pas plier ton barda et foutre le camp, tu vas devoir partager le gâteau. Pas question. Eh, c'était pas une proposition, moi. Imagine un peu. Toi et 6 pièces de grenade chinoise leur d'un rendez-vous avec une certaine faction ennemie. Une photo, ma. Bon, on reparlera de ça plus tard. Ah ! Ah ! Oh, ce chantage ! Ah. Le clocher de l'église. Le clocher de l'église abrite une mallette à diamants. Re, Christella. Il y a des diamants dans l'église. Ça a pointé vert au niveau du radar à mallette. Oh là. Vache, comment qu'ils sont bunkerisés, les gars. Je peux faire tomber le... non, c'était un accident. Boum. Même la caisse, je peux... non, elle bouge pas, elle est trop lourde. J'assomme un mec. L'attentat parfait. Bon, blague à part, mon rendez-vous était au rez-de-chaussée. Trop aimable. Oublie, j'ai la solution. Bienvenue à Boaseko. Joli travail pour Gakumba, il l'avait bien mérité. Écoutez, je monte une petite opération de mon côté. Le big boss, le major Tambosa, n'est pas au courant et je préfère garder ça secret. Pas de problème. Parce que voilà, avec la situation de ces derniers jours, il y a des risques que les chefs de guerre du Sud finissent par s'unir. Si ça se produit, des types comme vous et moi seront mis sur la touche, bien sûr. Ou pire, abattus et jetés à l'eau pour nourrir les poissons. Alors, pour empêcher ça, je vais jeter un pavé dans la mare. J'ai appris que votre ami le Chacal a une importante cache d'armes sur son île, au lac Segolo.
j'ai trouvé un moyen pour transporter ces armes directement en ville, dans un bateau sous le pavillon de l'UFLL. Tambosa accusera le front et après, on reprend comme avant. Ça vous va? J'ai un capitaine, j'ai payé tous les pots de vin. Il ne me manque plus que quelqu'un pour surveiller la marchandise. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes partant? Ce qui me dérange dans Parfait. Son plan... Allez sur l'île et trouvez le bateau. Le capitaine s'occupera du reste. Cette stupide guerre pourra reprendre comme avant. Et là, je vous ferai rencontrer le major. Ce qui me dérange dans son plan, c'est qu'il confisque les joujoux et butins du chacal. Ça sent pas bon. Ça, pour foutre le merdier, il va le foutre. C'est pas normal. Ok, c'est la dite île du chacal. Bon, on n'est pas pris par le temps, que je sache. Regardez. Objectif, trouver le pilote de la barge de l'île du chacal sur le lac Segolo. Détail de la mission. La chute de l'Eboasako a imposé un cessez-le-feu dans le sud. Greaves n'a pas apprécié que Tambosa négocie un nouveau statu quo au lieu de se battre. Il m'a engagé officieusement pour aller sur l'île au lac Segolo et ramener les armes du chacal par bateau au port Selao. Ça devrait faire croire à Tambosa que le FSL joue double jeu, enfin joue double, et qu'il est temps de réveiller la PR. Donc, si que j'exécute la mission, on est bien d'accord, ça va ressouffler du feu dans la poudrière. Nous sommes dans une situation relative de cessez-le-feu dans le pays. Si j'interprète bien. Ce qui veut dire que, comme j'ai pas d'impératif horaire à exécuter ma mission, je serais tenté de me promener dans les heures à suivre, peinard, entre grosses guillemets, puisque ma tête est mise à prix, à me promener dans le pays, faire la récolte des diamants. Et seulement après, je sèmerai le chaos en honorant ma mission. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Évidemment, l'église est fermée. Il y a peut-être une porte dérobée. Non ? Ah si. Ah bah voilà ! Et bah après mon père qui est aux cieux, voilà, c'est mes jolis cailloux qui est au sommet du clocher. Un diamant. Oh, je suis déçu. Par contre, la vue est magnifique. Et j'ai pas intérêt à rater l'échelle. Sinon, bonjour le gadin. Lâché. Bonanga. Dadi. Doudi. Didoudi. Douda. Pour tout vous avouer, je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive à la deuxième zone aussi rapidement. Il n'y a plus de diamants dans la ville? Non. Vous êtes sérieux, les gens? Allez, on va se faire un grand maximum une demi-heure de chasse aux diamants avant que je passe à un autre jeu. Le cacao pia. Ce sont des eaux piachées de mauvaise qualité. Cacao pia, on n'en veut pas. Qu'est-ce que c'est que ce boxon? Pipi. Bon, allez, j'ai arrêté de tourner autour parce qu'ils vont être suspicieux et je vais me faire allumer. J'ai droit à un véhicule normalement, non? Alors les gars, les trains sont pas prêts de revenir, je vous le dis, moi. Vu l'état de la voie ferrée, c'est une catastrophe. Ah,
Rien de rien. Oh là là. Touk. Rien de rien. Y a pas de mallette de diamant dans le coin. Merde, je suis tombé comme un caca. Ah! Laisse-moi fouiller l'épave du train. Tu vas adorer les mecs qui travaillent ici. Les sacrés déconneurs. C'est sûr. T'as déjà chevauché un zèbre? Trois mois, tu t'en rappelles. Ces bêtes deviennent folles quand tu leur montes dessus. On fait des paris. Il y a $3000 pour le premier type qui tiendra 10 secondes. Peut-être toi, va savoir. $3000 pour tenir 10 secondes sur un zèbre? Eh ben. Ah, on s'amuse comme on peut. On s'amuse comme on peut. Ouais, évidemment, tout est verrouillé. Il y en a qui ont le luxe de pouvoir se planquer. Et si je faisais le choix de la voie d'eau? C'est un autre point d'eau, d'accord. Bon, là, il n'y a pas de fond. Patauge, c'est le début de la flotte. Mais, il y a peut-être un bateau pas loin. Ah bah voilà. Je suis exaucé. Eh ben, allons-y en navire. Oula, si j'arrive à sortir du quai. Oh, mais c'est agréable de prendre les voies navigables. J'espère juste que je vais pas me faire allumer. On va vite le voir. Si je suis une cible. Pa, 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 la, pa. Yep. Elles ont plein de mauvaise qualité. Un titi tour en chouchou. Ouais. Ou très rocheux. Très accidenté la falaise par ici. Bonjour le canyon. Ah, au moins il y a un peu d'ombre. Oui, aïe, 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 j'ai touché le bord. J'ai failli chavirer. Oh là, oh là, oh là. Alors, copain ou pas copain? Diamant ou pas diamant? Oula, je me mets bien à la lumière. Alors, village d'Ogon. Waouh, waouh, waouh! Eh ben, il y a du peuple par ici. Oh la vache! C'est pas du tout la même configuration. Ouh, je vais aller déverrouiller les points de contrôle du ici même. Je vais passer de barque en barque. Ah bah, je suis sur le quai. Sympa la pirogue. Diamant? Non, non, pas de diamant. Bon, bah, il y a une planque toute proche. On va y aller tout doucement à pied et je vais nettoyer la zone. Oh. Ouais, le relief est clairement plus escarpé. On va faire un petit peu d'escalade, du moins plus régulièrement à partir de maintenant. Non, ils sont pas en contrebas. Attends. Non, non, la baraque est là-bas.
Ah, on voit une pirogue. Ok. Ouais, et puis on voit la fumée qui se dégage de leur feu de camp. Joli pont là-bas. Je fais un vacarme d'enfer en marchant carrément dans les buissons. Je m'annonce comme un gros nigaud. Non. Sérieux? Personne? Je peine à le croire. Ah bon? C'est cadeau, comme ça. Ah ouais, c'est cadeau. Bon. C'est pas désagréable. Oh la vache. Alors, au village d'Ogon, vous pouvez être certain qu'il y a au moins un diamant. Je sais pas trop comment procéder. J'hésite. Je vais pas y aller en bagnole. Ah bah tiens, il y a une patrouille mobile. J'entends un moteur. Ah! Ils m'ont pas vu ces... Ah si! Coucou! Oh you! Ça fera bon. Je crois avoir aperçu l'angle d'un pare-brise. Il y aurait du monde. Ou c'est mon imagination. C'était mon imagination. Ok, tout va bien. Attends, c'est des installations là-bas? Mais oui, ce sont des huttes. Merde. Ah. Hop, le gars, je l'ai eu. Ah, je veux bien une livraison de véhicule, s'il vous plaît. Merci. Très gentil. Ils sont très hospitaliers. Ah oui, tu as raison. Oh ! J'avais oublié que j'avais cette option, Erika. Tu veux que je mette quel chapeau ? Je sais plus si je l'ai mis en évidence, mais le dernier que vous avez déverrouillé, c'est le chapeau de Pépito, là, l'ultra large. Heureusement que j'ai ma boîte de chapeau à côté de moi. Celui que tu veux, attends. El Chito, ouais, je vais mettre celui-là, parce qu'en fait, c'est le premier que j'ai apporté, bougez pas. C'est celui qui est au-dessus de la pile, donc c'est plus facile. Ah merde, faut que je remette mes écouteurs, moi sinon j'entends plus rien. Pepito, mi corazón, bebido, bebido, bibidi, bidi, bidi, bebido, bebido. Alors, j'ai une livraison de véhicules. Et je sais déjà plus où j'en suis. Ah, il y a un poste de contrôle. D'accord, c'est la patrouille mobile du poste de contrôle que j'ai eu. Ah bah, c'est bien. Oh, le baobab. Oh, qu'il est beau. J'ai un baobab. Dibidi, dibidi, dibidi.
Ah, je suis en aval, ce qui est pas cool pour un assaut. Mais oui, on t'adore aussi, Erika, tu penses bien, tu nous le rends bien. Mais je te cache pas que je suis vraiment rassuré que tu te manifestes à moi aujourd'hui, parce que on se posait la question si t'étais vraiment pas pris dans le tourment des incendies au Canada, quoi, de manière générale. Donc c'est bien, ça nous rassure tous. Alors lui, il est tombé comme un caillou. Ah merde, il va falloir que je les enflamme. Il faut que je les enflamme. Enfin, si le feu veut bien prendre... Oh, je crois que j'ai tiré dans une mare. Merde. Ça a complètement... niqué ma stratégie. Je crains que ce soit un point d'eau. Merde. Ah, c'est pas cool pour mener l'assaut. C'est pas cool du tout. Ce n'est pas cool. Je sais même pas si à la mitrailleuse les saucer c'est une bonne idée. Encore, je pourrais faire une frappe chirurgicale, vous savez, tirer sur un tonneau d'explosifs. Ça serait cool avec mon fusil de snipe. Mais je sais même pas si je peux m'offrir ce luxe. Je vois pas l'ombre d'un bidon de liquide inflammable, rien. Oui. J'ai mis la coiffe à la demande d'Erika. Faut qu'on s'y amuse davantage. Et j'ai obligé de me la jouer à la Rambo avec eux, hein, c'est pas possible. En plus, je crois que le crépuscule est en train de s'installer, donc le cauchemar. Ouais, c'était un point d'eau. Oh la vache! J'ai voulu les cramer, c'est tombé dans la flotte. Bah non, pas plus, ouais, c'est bientôt l'heure de manger, ouais. C'est vrai. Bonne popote pour ceux qui passent en cuisine. Oui, on en parlait, Dragon Sky, de la protection des jeunes. C'est l'action que je posais chez, je sais plus, Petit Seb ou Débile Olive, je sais plus. Parce que j'ai suivi plein de relais de chaîne hier. Et à un moment, je me posais la question de ça, justement. Je crois que j'ai vu moins de chaînes animées par des jeunots sur Twitch ou ailleurs. Pourquoi il me propose la main? Ah! J'avais pas vu la munition. Attends, ils ont abandonné le poste? Déconne pas. Vous êtes sérieux? Ah non, il est là. On est ridicule. D'ailleurs, je crois que je vais me le faire à la machette. Le mec, il est tétanisé. Je suis là, abruti. Dommage, je me suis fait avoir par le décor. Et j'ai pas pu me barrer de l'autre côté de la barrière. Ouais, le ciel est jaune de ton côté. C'est terrible, hein. C'est terrible. Eh, regarde ce qui voilà. Ça va nous entraîner un peu au tir. Pas pour toi. Bronzage intégral pour monsieur. Attends, ils étaient deux. Non. Il y avait des moustiques, non? J'y comprends plus rien. Ah, j'ai gagné.
je peux revendiquer ce poste. Ah oui, ils étaient deux, j'avais pas vu qu'ils étaient d'accord. Bon, bah j'ai fait coup double. La classe. Je crois que cette deuxième partie de carte, on a plaisir d'admirer davantage l'artisanat local. Il y a des poteries, il faut avoir le coup d'œil, mais il y a des beaux trucs. Bon, bah on va aller dans la ville avec comme un prince avec la tuture. Oui, c'est horrible, hein, ça marche très bien le lance-flamme. Bon, courte portée, mais d'une efficacité redoutable. Il y avait un Maboule antagoniste dans la série MacGyver qui faisait tout en lance-flamme, je crois. Je sais plus c'était quoi son nom, mais le gars était pyromane Maboule, à souhait. Un grand malade. Mais le personnage était bien écrit. Murdoch, bien. On reconnaît les fans de la série. Bien. Ah la vache, je me souviens plus du village. Ah, il y a du diamant. Ah bah voilà, je vous parlais des belles poteries, ça commence. Le mec, il est avec ou contre moi? Je pense qu'il est contre moi, le gars. Il est pas là pour me claquer la bise. Il y a de la vie, là! On est d'accord. C'est pas des copains. Merde, il tire du mortier. Génial. Il y a un mec qui m'allume au mortier. Il est passé par là. Tout va bien. Alors le gars au mortier doit être sur les hauteurs. Quel véhicule, le salopard. Ah mais y a pas d'entrée ici, c'est un silo. Jolie la ville. J'en peux plus de ce merdier. Je vais te couvrir, t'es prêt? Oh là, tout le monde. Attends, je vais entrer dans une casse-bas là parce que. Mortier. Oh, le mortier m'a eu. Oui, merci, cousin. Merci, tout plein. Là. Oh vache. Oh dommage, mon assaut était cool. Oui, c'est la fête du Québec. Bah bonne fête à toi aussi, Erika. Mais c'est vrai que ça va être terrible de voir le ciel jauni par les incendies. Là. Je suis là, les gars. Je refais le plein. Merdoum! Le gars qui tire le mortier arrive à me dégommer comme dans un jeu de qui, c'est redoutable. Oui, nommez-nous aussi, on n'aura plus de feu d'artifice dans notre région. J'ai un alerte sécheresse, Erika. Ça fait l'objet d'un article dans mon journal local. Où ils se disent que le métier d'artificier est un métier en voie de disparition.
parce que on va, les prochaines années, on va renoncer à faire des feux d'artifice, tout simplement. C'est une tradition qui va se perdre. Ou alors, peut-être les tirer à Noël, je sais pas, on va peut-être changer la tradition. Oh, bien le mec, il m'a saucé au pistolet mitrailleur. L'assaut du village va être balèze, mais j'ai très envie de faire une approche à la Murdoch. On est les humains, clairement, corps à corps. Ce soir, on est... Ce soir, on en est le but. Ils vont m'obliger à courir tellement qu'ils sont aussi les gars. Oh, la Tesla. C'est la Tesla. Encore ? Oh là 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 là. Il y a plein d'emplois qui se perdent, ouais, bah ouais. Ouais. Je sais pas s'il y aurait beaucoup d'attrait dans notre région pour des spectacles de drones. Pas sûr que le public, je parle pour ma région Lorraine, soit aussi enthousiaste que les Japonais là-dessus. Je suis pas certain non plus qu'il y en ait beaucoup qui aient le brevet de pilote de drone. Je demande à voir au niveau des stats, mais il doit pas y avoir grand monde qui revendique le... Ah, c'est un poulet. Oh, il y a monsieur Mortier. Doucement, tu es là. Le toit, il est sur le toit. Exact. Oh merde, je suis mort. C'était risqué de prendre le toit. Je suis moulu. Bah, le temps de nettoyer le village, excusez-moi de l'expression triviale et. Il est là! Et de choper les diamants, ça va m'occuper un petit bout de temps. Oh, l'éclat du mortier m'a encore tué. Il vise trop bien ce mec. Je me rendais très bien par rapport à l'humain, je suis triste. Je suis rendu très loin par rapport à l'humain. Hein. Là davantage en même temps. Ah mais c'est le puits du village. C'est le puits du village. Aïe aïe. Wow. C'est horrible, mais mon approche fonctionne. Merde, c'est le soin que je voulais pas la sauvegarde. Le gars qui tire les mortiers, il est pas là. Moi, mais ils sont combien de tirer dessus? Il faut aller aider. Non, on risque ici. Encore des marches. Ah ouais! Oh la vache! Attention, tirez-y! Retiens maintenant, il est là-bas! Oh, mais
Mais c'est terrible qu'ils arrivent à me résister ainsi. Ils sont combien dans le patelin? Ils sont 20, 30? Et il repassera par là. Ah. Non. Ah, ça peut être drôle ça. C'est supérieur, mais je vais me faire allumer. Non, pour rester ici. Ah, je crois que c'est notre homme. Oula, vite. Trop tard. Mais c'est intéressant, j'ai trouvé le mec au mortier. J'ai trouvé le mec au mortier. Je crois qu'il va en baver. Ah ouais, on voit le projectile en fait. Wouh! Attention, ça va secouer. Oh, ça secoue tellement bien qu'il m'a... Ah, l'inconvénient du mortier, c'est que ça prend du temps. Parce qu'il y a une verticalité du tir. Par contre, l'avantage, c'est la portée. J'ai pas le temps de dégainer pour le trucider. C'est chaud. Ou alors au cocktail Molotov. J'ai intérêt à faire un jet. Ah mais non, c'est une grenade. Non, ça marche pas. Ouais. Et sauter de deux étages, c'est mortel. Donc me la jouer de manière héroïque, c'est pas pour moi là. Va falloir que je me la joue fino. Correctement. Voilà qui est mieux. Personne? Bizarre. Ah c'est... Je me disais bien que... J'avais une embuscade de tendu. Je vais bien arriver au sommet du village, non? Alors évidemment, le summum pour un sniper d'être en amont, c'est après c'est 100% plaisir. Mais ah ben. Alors, comment gérer la sortie de mon trou à rat? Nyeh. Hey non, je le vois, là-bas, on se cale dans un coin et on se débarrasse de chutier. Oui, bien sûr. Prétentieux. Non, je pense pas les avoir eus. Ouais. Tu vas mourir. Quelqu'un pour couvrir. Dégage de là. Pose là, mon cher. Je recharge. Mais qui sont ces types? Je crois que c'est un ennemi. Mais il abuse, lui. Faut arrêter ça. Oui, il est midi, c'est l'heure du miel. Bon, bah j'ai deux mecs en moins. J'ai du tout couillé. C'est con. On peut rien faire, les fêtes. J'ai un pire dégommé. Bien essayé. Bien essayé, mais une fois de plus, c'est pas encore la bonne approche. Ah, t'as envie de pizza? Mmh. Moi, au congèle, j'ai plaisir d'avoir deux flammes à cache qui m'attendent. Quoi? Ministère de la Défense? Encore? Mais qui sont ces types? Je crois qu'il n'y a qu'un ennemi. Merde, je l'ai pas vu. Qui? Il est pas loin. Où est-il? Où tu l'as fait? Il a attaqué. Il pourrait être n'importe où. Génial. Les gardes qui ne font rien correctement. Ah.
crois que j'ai fait un joli strike là. Sauf erreur de ma part. Ouais, ça descend évidemment avec un tel dénivelé. Bah, y a peut-être plus personne. J'ai arrivé au sommet du village pour me rendre compte que j'ai liquidé tout le monde. Parce que là, j'ai fait un beau carnage. Hein. Excusez-moi du peu, mais. La violence. Oh, il me restera la chasse au diamant. Oh la vache. C'est beau. Comme disait Jacques Chirac, c'est loin, mais c'est beau. Oui, bonjour, Torota. Eh, hey, t'as pas intérêt à mettre le pied dans le vide, hein, sinon tu dévisses. Laisse tomber. Oh là là, regardez-moi cette vue. Popopo. On va faire de l'escalade, moi je vous le dis. La récolte de diamants, ça va être... Tiens. C'est nid de vautour, je crois. Il y a des grottes aménagées, la classe ultime. Alors il y avait des diamants à l'entrée du village dont je ne capte plus le signal. Je ne capte plus le signal. Et il y a des grottes en amont. C'est la beauté des secrets de l'Afrique. Merci pour la pharmacie. Bon bah, si je parle mal, j'ai que je suis arrivé au trou du cul du monde. Mais au moins ici on a la paix. D'ailleurs sur la carte grande entière, je suis d'accord. Ouais non mais je suis planqué dans un coin où... Sympa le sommet de Dagon Village, qui pourrait être un lieu de rendez-vous. Oh merde, j'ai cassé les poteries. Pas bien. Bon, mais c'est bien, ça va bien. Oui, l'occasion pour moi d'ailleurs de vous remercier tout à chacun. Certains d'entre vous ont été parfois généreux avec moi. Vous êtes adorables de m'avoir offert des jeux. Mais les jeux, ça demande des ressources et de la place sur disque. Donc j'ai pas pu... Je pense à Tezo en particulier, mon cher Torota, que t'as eu la gentillesse de me céder. M'offrir une copie. Qui prend pas mal de place et il faut que j'aménage. J'ai commencé depuis ce matin à transvaser des données pour soulager mon disque réservé au jeu. Ce qui fait que je commencerai le téléchargement prochainement. Ne t'en fais pas. Mais j'ai des manips de fichiers à faire qui vont m'occuper pendant quelques heures. Enfin, quelques dizaines d'heures, je pense même, littéralement. Mais. Je vais même possiblement créer, ouvrir mon compte Elder Scroll en ligne dans le courant de la semaine prochaine. C'est fort probable. Oui, bonne cuisine, bonne popote, fan, à tout à l'heure. Ah ! Fait peur. Ouais, quand je vous dis qu'il faut pas mettre le pied n'importe où. Non, je capte même plus de signal de... Merde. Oh ! Je voulais sauter sur le toit, moi. Je voulais pas me casser des jambes en contrebas. J'ai merdé ma cascade. Oui, oh, tu sais, puis je t'ai pas fait grand-chose, hein, Torota. À part donner quelques explications et bon réflexe à avoir en informatique. Mais non, mais c'est très gentil. Non, puis ça va être le plaisir de rejoindre ta guild et puis plus tard, on jouera ensemble. On aura des occasions de jouer ensemble. Là, par exemple, je peux pas sauter sur le toit. Ah si. Magnifique, j'ai une nouvelle manière de descendre du village.
Je sais pas si les concepteurs avaient prévu ça. Je sens que ça va mal se finir, mais carambole là, mais. Mon joujou. Je vois des trucs qui flambent. C'est quoi là-haut? Ah, c'est le mec qui tirait le mortier. Ah! Les diamants sont là-bas. Les diamants sont là-bas. C'est bien sur un toit, mais pas celui auquel je pensais. Attendez, je vais me tuer là. Oh merde. Ah bah ça va, j'ai du bol. Attendez. On descend du village. La 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 li li lou li lou la. Je vais peut-être me soigner. Ah, la mallette est au-dessus. Merci. Ça, c'est la bonne opération. C'est la bonne opération. Dadidoudidoudidoudon. Ah, c'est la caisse bas de ceux qui sont corvés de pommes de terre. Alors, il va y avoir forcément un jeu de saut à droite à gauche pour atteindre les diamants. Ils me tendent pas les bras tant que ça. Alors, essayons de feinter. Si je peux. J'ai pas l'impression. Ah si. Les diamants sont par là. La 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 lilou lilou la. À moi les diamants. Ils étaient deux. Et il va faire nuit. C'est pas cool. Il faut que je trouve une casse-bas à faire dodo, moi. Je mène pas des assauts de nuit. Alors ça, c'est la grande question. Aïe, je me suis foulé la cheville. Oh, ah, c'est... Bah, si seulement... Si seulement j'avais pu valider le dodo, mais non. Faut que j'aille dans une planque. Ouais, il y avait la casse-bas proche. Je vais y aller, ce sera mon point de sauvegarde. C'est bien, ce sera ma reprise. Ce sera ma reprise. Tu lu James Cameron, l'incident du Titan et le chat. Il a tellement raison. Non, j'ai pas lu le commentaire de Monsieur James Cameron au sujet de la boîte de conserve. Mais on en a parlé un peu plus tôt sur mon antenne tout à l'heure. Et je devine que la faille principale, c'est le hublot qui servait à rien, à vrai dire, dans cette coquille noire, qui était résistant jusqu'à 1,5 km de profondeur, et ils sont descendus jusqu'à 4 km, donc après, faut pas s'étonner qu'ils meurent. Que tout implose. Et ouais, là où il y a la fumée. Oui, merci. Oui, tu peux mettre le lien si tu veux, Erika. Oui, t'as mon feu vert. Enfin bref, paix à leur âme et puis. Non, ce qui est plus intriguant, nous, côté français, Erika, c'est l'explosion dans le 5e arrondissement de Paris. Il y a encore une personne portée disparue, une femme qui aurait la 50-60. Et la source de l'explosion qui serait peut-être liée, alors, c'est pas confirmé, mais c'était les bruits de couloir dans la première heure, quand ça circulait dans la presse. C'est qu'il y aurait eu des manquements dans la rénovation, révision du système de distribution de gaz dans l'immeuble. Travaux qui auraient eu, eux, au printemps dernier, c'est-à-dire il n'y a pas 3 mois. Donc ils auraient merdé. Oui, c'est pas grave qu'il soit long le lien. Mais pour ceux que ça intéresse, bien joué. Merci Erika du partage. Et ben voilà! D'ailleurs, si je merde pas mon... Allez-y voir que je me programme déjà à la bonne horaire pour... C'est 6h du mat en général. Quand je reprendrai le jeu. La nuit va passer normalement. Voilà. Petit feu de camp.
Voilà, c'est le début de l'aube. Très bien. Pour reprendre le jeu, il n'y a pas mieux. Sauvegarder, ouais. Ah, je suis à 42%. Hein. Je suis presque à la moitié. Je suis presque à la moitié. Ouais, un autre naufrage à côté du Titanic, ouais. Enfin bon. Ah, bah on va faire un autre jeu. Ah, qu'est-ce que je fais? Je fais les tutures en C. Je suis tenté par du Spin Lucky. Oh, je préfère... Très envie de faire du Spin Lucky. Bougez pas.